La station accueille cette semaine les épreuves de Coupe d'Europe masculine de ski de descente, les deux premières de la saison d'hiver en Europe. Un rendez-vous important donc pour les entraîneurs et les athlètes. C'est la première de vitesse de la Coupe d'Europe de cette année et on espère que ça vient bien. Une Coupe d'Europe, c'est beaucoup de travail sur les pistes, mais aussi dans les bureaux. Pour partir le matin à 7h, il faut bien que STI ouvre ses remontées mécaniques. Les pisteurs, ils sont tous là, les chauffeurs aussi. Nous, le club, tout le monde est mobilisé, évidemment. Mais il y a aussi les parkings, les pompiers qui seront là demain matin. Toi, qui viens relayer un petit peu l'image de cet événement. Puis un peu tous les coachs qui vont être là et qui vont nous donner la main. Toute l'équipe du club des sports est donc sur le pont depuis une semaine, y compris ce week-end. On est en train de classer par ordre de points FIS descente pour la Coupe d'Europe, la liste de départ entraînement demain. 14 bénévoles viendront prêter main forte pour ce rendez-vous international. Ça fait 10 ans que je suis volontaire, ça m'occupe, je dirais. Et qu'il y a une bonne ambiance. Hein ? Et surtout qu'il y a une bonne ambiance. Ce lundi, 113 concurrents, dont 4 avalins, prendront le départ à midi pour le premier entraînement qui se déroulera sur la Oka. Le public sera le bienvenu pour encourager tous les compétiteurs.